Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de poursuivre mon discours, je voudrais savoir si au fond vous m'entendez bien. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous dire si vous ne m'entendez pas, parce que quelquefois il nous arrive à la fin du concert que les gens viennent nous voir en nous disant c'est dommage, nous n'avons pas entendu vos commentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas, j'ai un micro pour me servir si nécessaire. Donc, tout d'abord, bienvenue aux gens de Guignac et bon anniversaire à ce jumelage. Le 20e anniversaire, évidemment, c'est un moment important dans la vie d'une personne, dans la vie d'une association. Donc, tout au long de ce concert, je vais vous présenter un petit peu le patrimoine musical de notre région. Je vais vous expliquer un petit peu qui sont ces instruments et quelle est cette culture que nous défendons, corps perdus et corps et âme, justement, dans le cadre de cette association. Donc, ce groupe se compose, vous voyez, de musiciens, mais également de chanteuses. Les instruments qui sont présentés ici sont les cabrettes et les accordéons. Il faut savoir que la cabrette, telle que vous la voyez ici, est une cornemuse, c'est un instrument à vent. Il faut savoir que cette cornemuse, justement, est très très ancienne, puisque on retrouve des traces de cornemuse 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ce n'est pas tout récent. Et l'instrument dont nous jouons ce soir est issu en fait d'un mélange de deux types de cornemuses. La cornemuse que nos anciens ont transportée dans la région parisienne au moment où ils ont migré là-haut. Et également, elle est issue des musettes de cour qui étaient très très en vogue à la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe. Il faut savoir que ces deux instruments n'ont pas été toujours camarades. La cabrette, tout d'abord, a animé les bals parisiens jusqu'à ce que l'accordéon pointe le bout de son nez, justement, à la fin du XIXe siècle. La guerre a été rude entre les deux jusqu'au jour où ils ont fini par s'apprivoiser et par animer les bals, notamment au départ de la région parisienne. Il faut savoir que ces deux instruments ont leur musée respectif ici dans la région. Pour l'accordéon, si vous avez un petit peu de temps, vous avez un musée de l'accordéon qui se trouve à Siran, pas très loin de Saint-Mamé. Et vous avez un musée de la cabrette qui se trouve en Aveyron. Et franchement, si vous voulez découvrir l'histoire de ces deux instruments, nous vous invitons à découvrir et à visiter ces deux musées. Nous allons maintenant continuer avec un morceau qui nous parle d'une des villes de notre département qui est Saint-Flour, à l'est d'Aurillac, du côté de Saint-Flour.
Alors, les cabrets et accordéons des bureaux de Bayreuth, ce sont, vous l'avez vu, des musiciens, mais ce sont également des chanteurs. Et tout au long de ce concert, nous allons donc vous interpréter des chants du patrimoine local. Le premier, on va le dédier au Jean de Pugnac, et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Bateau traditionnel à Foncat de la Dordogne, les gabarres servaient au transport de marchandises entre le massif central et les ports de Bergerac. En 1882, Sarlat découvrit le train, puis le reste de la vallée en amont un petit peu plus tard. La concurrence du rail ébranla rapidement la vieille batellerie de Dordogne et s'en fut fini de la navigation sur la haute et moyenne Dordogne. En basse Dordogne, elle a continué cette navigation jusqu'en 1950. Les gabarits n'étaient pas en général des gens faciles. Ils menaient une vie dangereuse, nécessitant du courage, mais aussi beaucoup d'adresse. Peut-être est-ce pour cela qu'ils avaient le sentiment d'une certaine supériorité sur les terriens. Ils affirmaient d'ailleurs avec plaisir « Si vilain sur terre, seigneur sur l'eau je suis ». Lorsqu'ils ne naviguaient pas, ils travaillaient comme pêcheurs, bûcherons ou participaient à la construction de leurs embarcations, refusant les travaux agricoles, même en été, lorsque l'équipage interdisait leur navigation. Nous allons donc vous interpréter la chanson des gabarits. Thank you.
dans un petit coin de gruyère, une étoile est pour toujours. C'est l'étoile des Molières, c'est l'étoile des Troubadours. Les gens qui visitent la région.
Il se trouve que dans cette chanson également, l'auteur parle de deux personnages très très importants. Arsène Vermenouze, qui était un poète orientois, et également le premier pape de Longueville, qui est le pape Gerbert, plus connu sous le nom de Sylvestre II. Nous allons donc vous interpréter cette chanson sur la belle Jordane. J'ai le groupe, il faudrait que tu puisses prendre le groupe, comme on dit, je réfléchis. Et
avec sa petite tête et auteur-compositeur, elle a vu que nous avions quelques petites références. Elle m'a dit, Marcel, je prends tout le groupe à l'Olympia. Voilà. Personnel, parce que c'est un grand coup de bâton dans la fourmilière où j'ai vu que mes membres étaient quand même porteurs de joie pour aller à la culture locale. Voilà. Donc, ça sert à la prêtresse, elle me dit toujours les pieds. Thank you.
Thank you.
J'avais vu quand la maîtresse se trouve, les élèves se trouvent aussi, et ce ne sont pas mes élèves qui me l'ont traité. Alors, nous allons vous interpréter un chant maintenant qui parle des Auvergnats qui, à la fin du XVIIe siècle, ont migré dans la région parisienne pour y travailler. Ils y ont occupé des travaux extrêmement durs et fatigants que les Parisiens ne souhaitaient pas faire. Ces Auvergnats ont été porteurs d'eau. Ils ont été bougnats, ils ont vendu du charbon, ils ont vendu du bois, ils ont été limonadiers. Et il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les Auvergnats de Paris étaient la communauté immigrante la plus importante de la capitale française. Nous allons vous interpréter le porteur. Je vais maintenant vous parler effectivement des genêts
que vous avez peut-être aperçu quand vous êtes arrivés dans la région, les Jeunes d'or, et c'est Jean Audebert et Anne Corbetti qui ont écrit une très jolie chanson concernant ces Jeunes d'or.
Thank you.
mais quelquefois dans les morceaux que nous jouons, vous doublez ou pas doublez. Et alors quelquefois, on ne sait plus si vous doublez ou pas doublez. Donc on se regarde, d'où l'intérêt de vraiment extrêmement bien s'écouter, parce que l'accordéon bouge, vous jouez des doubles, quelquefois je double, quelquefois je double. Si on est attentif, on n'est plus dans le morceau. C'est pour ça que les petits sourires qu'on nous fait, c'est sans les petits sourires de la retenir, écouter, parce que sinon, ça va pas. Alors que lui, il fait une note en tirant et une note en repoussant. Et il gigote énormément, mais c'est tout simple qu'il travaille dans l'écriture. Alors, place pour la bourrée des moissons. Thank you.
Yeah.
Alors chez vous en Gironde, je suppose qu'il pleut beaucoup aussi. Partout en France. Oui. Quel désespoir. Mais il ne vous a pas échappé en arrivant ici que notre paysage était extrêmement verdoyant. C'est joli. On a différents tons de vert. Et ce n'est pas pour rien que notre département et notre région est qualifié de château de la France. Nous allons donc vous interpréter un chant en l'honneur de ce beau pays vert qui est le nôtre. Et elle deviendra également comme un hymne pour les peuples d'origine.
vous avez reconnu ici Amazing Grace.
quelqu'un a quelque chose à me dire concernant ce morceau musical? Vous l'avez chanté. Qui a dit ça? Levez-vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de la région? D'accord, et bien vous savez, monsieur, que vous venez de gagner un DVD. Les cabrettes et accordéons du nom de la Mes élèves sont récompensés aussi quand ils répondent à vos questions. Et ils sont très attentifs. On a l'impression qu'ils n'écoutent pas. Mais en fait, ils écoutent tout le temps. Quelquefois, on est bluffé de les enseigner. On dit n'écoute pas. En fait, si, si, ils écoutent. Ce qui est important que je précise. Je suis très contente de ce qu'il y a.
grand stratovolcan d'Europe, culminant à 1780 mètres d'altitude, est classé depuis le mois de décembre 2012 grand site de France sous le nom puis Marie volcan mondial. Nous avons dit notre intérêt provenant du Puy-Marie.
Isabelle a oublié d'apporter la précision sur cette vase, c'est qu'elle a été composée et écrite par un musicien cantalien, un sud-accordéoniste Gabriel Schumann.